Et les garçons, alors, on se retrouve pour un petit tuto album. Gorgeous, je n'ai rien préparé, rien. Alors, je vais vous montrer un petit album que j'avais fait il y a de ça, il y a quelques mois en fait, hein. Avec, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le papier de chez Action. Alors, aïe, ça me fait mal. Oh. Alors, vous voyez, mais c'est pas du tout comme ça que je veux le faire moi. Yolo, c'est vraiment. Là, j'avais mis un petit aimant. Voilà, j'avais mis aussi une petite encoche ici, vous voyez, sur la page, comme ça, si on veut glisser quelque chose. Là, là, c'est pareil. On peut aussi, vous voyez, ça fait une petite page en fait. Voilà, et un petit tag, vous voyez. Mais donc, c'est pas comme ça que je veux faire moi. Mais vous voyez, c'est surtout le système reliure. Parce que c'était vraiment facile. Je fais ça, je tiens. Puis à chaque fois, je disais, je vais le faire, je vais le faire. Et quand vous vous rappelez, Fabien m'a acheté les petites, comment, les petites images. Ah ben dis donc, quand même. Je me suis dit, ah là là, j'ai ma petite idée. Et bon, d'office, je me suis dit, je vais faire un petit album. Mais ça va pas être. De toute façon, on va faire comme ça au fur et à mesure. S'il faut même, je vais. Ouais, ce que il faut que je fasse, c'est baisser. Voilà, baisser mais reculer quand même. Attends, c'est quoi ce truc là? C'est quoi? Mais c'est quoi ça? Non, c'est ma grosse combinaison. Alors, bon. Attends, est-ce que j'ai bien mis mon truc là? Ouais. Alors, vous avez bien ri avec le tag des manies, hein? Vous avez vu ça, hein? Bon, alors. Donc, nous, ce qu'on va prendre, c'est. Alors, vous voyez, moi, ça, c'est des. Comment dire? C'était des box. Moi, pendant un moment, j'étais abonnée. Oh, c'est vieux, hein? Mais j'étais abonnée à la Glossy Box. Donc, c'était des boîtes et tout. Et moi, les boîtes, je les ai gardées. Et le. Comment? Le, comment dire, le carton, c'est hyper, regardez, c'est hyper épais, hein. Mais moi, ce que je peux faire, c'est, admettons, vous n'avez pas ce genre de carton. Moi, ce que je faisais, je prenais, admettons, des boîtes, comment, des boîtes, des boîtes de carton, hein, tout simplement, et pour, comment dire, pour augmenter un petit peu la solidité, pour que ce soit un peu plus solide, on va dire, bah, je les, comment. Je les double, tout simplement. Je vais mettre deux cartonnettes ensemble. Je suis en train de réfléchir si j'ai pas. Non, enfin. Mettons par exemple, regardez. Voilà. Voyez par exemple, ça, c'est les blocs qu'on trouve à Action. Donc derrière, vous avez comment le. La fin de l'album, hein. Et voilà. La dernière page, c'est souvent comme ça, genre de cartonnette. Donc celle-ci. Bon, voilà, mais si on la met en double, bon, ça fait déjà, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas essayer de la mettre en triple, hein? Mais moi, j'ai déjà. Ah bah écoutez, c'est pas possible ça. J'ai déjà fait des petits albums avec deux comme ça collés. Vous voyez? Bon. Alors, j'avais mis là, je ne sais plus. Qu'est-ce que je. Ah oui, c'était pour un autre truc. Bon, enfin bref. Donc, moi, j'ai pris du coup, vous voyez, c'était la boîte. Donc, moi, j'ai tout coupé le tour. Alors, ici, ça va faire. Je crois que ça fait 20. 20, 20, 20. Alors, vous voyez, j'ai pas. Comment dire, j'ai pas préparé. Bon, je vais prendre ce crayon de bois là. Je me suis dit, est-ce que je vais. Je vais le faire en plusieurs fois, je pense. Je vais le faire en plusieurs fois. Ouais, je vais faire en plusieurs vidéos. Et puis, à mon avis, ce sera mieux. Comme ça, là, on va faire la première partie de la. On va dire la structure, quoi, en fait, hein. Bon, alors, qu'est-ce qui m'a mis la chanson hier? Oh, je sais plus. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Je sais plus. C'est pas toi, Elodie? Petite Elodie. Oh, ça m'a fait trop rire, hein. Alors, donc. Alors là, vous voyez, je vais plutôt le mettre comme ça. Moi. Je me suis même dit, il faudra que je rachète un cutter. J'ai hyper peur.
Super, non mais sérieux, hein, franchement, faites hyper attention parce que... Et vous voyez, c'est tellement épais que je vais passer plusieurs fois. Bon, cette partie-là, je me demande si on pourrait... oh, je sais pas. Je vais bien voir. Si après, je vois que c'est hyper long, vous voyez, pour vous, ben, je me dis, bon, ben, l'occasion, je couperai. Vous voyez? Et là, c'est super... aïe. C'est quoi? Maintenant, je me fais mal avec ça? Bon, je vais mettre des gants la prochaine fois. Hein. Je vous assure. J'ai acheté des gants en caoutchouc, là, vous savez, pour faire la vaisselle. Bah, moi, je pense que je vais en acheter pour quelque chose. Alors, ça y est. Voilà. Bon, ah oui, c'est vrai, j'ai du truc là. Alors, vous voyez, donc, je vais recouper un bout quand même parce que je ne veux pas faire un album rectangulaire, je vais faire un album carré. Donc, il fait combien? Là, il fait 16. Donc, 16, je vais faire 14, moi. 14, 14 sur 10. 14 sur 10, admettons, je pense que ça va être... Attends, 12, ça va pas être trop petit, 12. Bah 12. Allez, ça va être un petit, mais j'ai rangé le crayon moi, direct. 12. Bah oui, 12, allez. 12, 12. Alors, 12. Bon, je suis quand même concentrée, hein. Alors, ce que je vais faire, regardez. Parce que comme il faut que je fasse de la même côté, du même côté, et que c'est quand même hyper long, vous voyez, de couper. Alors, moi, j'ai fait... Donc, attends, j'ai fait combien? J'ai fait 12 sur 10. Donc, ici, j'ai fait 10. Ici, là, vous voyez? 10 sur 12. Donc, moi, je vais couper cette partie-là. Hein. Ouais, non, non, non. Donc, voilà, je vais faire ça. Je vais couper. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Et puis après, comme ça, on fera le milieu ensemble. Donc, vous voyez, la troisième partie, j'ai fait donc 4 cm sur... 12, hein, donc 4 cm sur 12. Bon, voilà. Donc comme ça, j'ai mes trois morceaux. Bon. J'ai déjà commencé, j'ai voulu mettre carrément du... Je me suis dit, oh, bah tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du craft gommé partout, voyez? Partout, partout, partout. Ici aussi. Puis après, du coup, je dis, bon, bah non, j'en ai fait qu'une partie. Après, j'ai dit, bon, bah j'arrête. Alors, moi, j'utilise donc ça. C'est du craft gommé. Mais avant d'en avoir, ça c'est Fabien qui me l'avait commandé sur Amazon. Vous voyez, le rouleau il est gros, hein. Voilà. Mais avant, j'achetais du celui-ci. Enfin, c'est pas du craft gommé, hein. Le nom, je ne sais pas. C'est marqué ruban papier. C'est, on le trouve. Ça, celui-là, il doit venir de chez Noz, il me semble. Mais à Action, au rayon bricolage, vous en avez. Et donc, je prenais ça. Pour comment pour mes albums, hein, ça va bien. Bon, c'est vrai que ça c'est quand même mieux. Hein, c'est vrai, c'est l'idéal. Hein, j'avoue. Hein, mais voilà. Bon, enfin bref. Alors donc là, je ris parce que je ne sais pas si vous vous souvenez. La première fois que je m'en suis servi, ici vous avez une partie brillante et une partie mate. Ouais. Et en fait, il faut humidifier la partie brillante. Mais oui. Mais moi, la première fois, j'ai utilisé, j'ai mouillé, je me suis trompée de côté, j'ai mouillé. Ah, je vous dis même pas. Hein. Je vous dis même pas, il y avait de l'eau partout. Une piscine. Une piscine. Oh là là. Bon, enfin bref. Alors, ici. Voilà. Donc.
Je vais prendre un morceau comme ça. Toc toc. Voilà, comme ça au moins. Là. Oh, parce que je voulais faire tous les côtés. Puis après, je dis bon non. Hein. Voilà. Alors, voyez. Donc, je vais utiliser. Moi, je l'ai mis là. Ça ici, là. Le. Comment c'est? Du T05. Alors, c'est pareil. Avant, j'en avais pas. J'ai ça. Et j'ai la petite équerre. Nathalie Praline. Alors, avant, quand j'en avais pas, bah, tout simplement, je faisais. Je l'ai positionné ici à 0,5. Hein, de ici à ici, il y a 0,5 entre les deux. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec ce petit outil-là, c'est quand même pas mal. Hein. Alors, vous avez, si, admettons, vous me demandez où je l'ai acheté, c'était une. Comment dire, une. C'était une fille qui les vendait. Le nom, alors là, ça fait un moment. Elle a une chaîne. Hein, mais je ne sais plus le nom de cette personne. Je vous dis, ça fait. Oh, ça fait. Oh, ça fait au moins plus d'un an, je crois. Hein. Bon, enfin bref, mais à mon avis, on en trouve. Je pense qu'on en trouve partout. Hein. Alors, ici, donc vous avez votre partie brillante et la partie mate. Nous, on va humidifier la partie brillante. Alors, comment je vais faire? Mon eau est là, ma petite mousse est là. Donc, je mouille. C'est pas la peine de. On mouille, mais pas, voyez, hein, pas trop, quoi. Hein. Alors, je vais mettre, donc, en premier. Voilà. Alors, ensuite, je vais mettre mon équerre. Et on va mettre donc notre comment notre tranche. Voilà. Comme ça. Vous voyez, regardez. On est vraiment. Voilà, c'est impeccable. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir la retirer. Hop. Et je colle. Oui, donc je me disais, tout à l'heure, je me suis dit, bah, je pense que, ouais, c'est mieux de le faire en plusieurs parties, vous voyez. Comme ça. Comme ça, je vais le faire là, après, je repréparerai des trucs, et puis, comme ça, on se retrouvera, donc, demain soir. Tiens, j'ai pas assez mouillé. Pour la suite, quoi, en fait, hein. Là. Alors ensuite, alors. Et je recommence la même chose avec mon thé. Non, comme ça. Voyez, hop. Et voilà. Je vais remouiller un petit peu parce que. Non, moi, c'est tout ou rien. Hein. Soit c'est la piscine. Non, la dernière fois, c'est parce que je m'étais trompée. Hein. Soit j'en mets trop. Soit j'en mets pas assez. Hein. Mais pour trouver le juste milieu, c'est bien compliqué. Moi, je vous le dis. Par contre, vous voyez, quand je coupe. Bon, j'essaye de pas de couper trop quand même. Hein.
Le crabe de gommier, mais je m'arrange quand même pour comment dirais-je? Juste ça parce que je sais, ça m'est déjà arrivé de couper, mais il restait vraiment ici un millimètre, voyez, alors, donc ça fait, c'est pas très joli quoi, je trouve. Comme ça. Voilà. Et voilà. Comme ça, vous voyez, on a notre structure, quoi. Hein. Voilà. Le C-box, hein, je vous avais dit. Alors, donc, là, ici, voilà. Alors, donc maintenant, vous voyez, ça c'est fait. Et alors, moi, ce que je vais faire, bah, ça, je vais ranger de toute façon. Là, je vais regarder pour trouver un papier pour recouvrir. Et quand on aura recouvert, là, je pense que je couperai la vidéo, je publierai la vidéo, et puis demain, on fera donc l'intérieur, hein. Alors moi j'ai choisi ce papier-là. Salut papier de qu'on trouve à Action. Alors, j'ai choisi le papier mauve. Et oui. Alors, bon, vous voyez, quand je positionne mon papier, je m'arrange toujours pour qu'il y ait à peu près, hein, on va dire, 2 cm. La structure au papier, 2 cm, 2 cm ici. Vous voyez toujours, hein, enfin. À peu près, hein. Là, ça sera peut-être un peu moins. Je vais juste mesurer comme ça pour voir. Vous voyez, ça fait pas tout à fait 2 cm. Mais bon. Alors ici, bah, cette partie-là, je vais la coller comme ça. Hein, mais de toute façon, après, je vais recouvrir. Donc, c'est pas gênant parce que j'aurais voulu couper pour que ça fasse. Mais bon, c'est pas gênant. Alors là, maintenant, vous voyez. Voilà, je vais faire comme ça. On va déjà coller. Est-ce que vous entendez la pluie? Toute la pluie tombe sur moi. Vous les entendez? Écoutez, non mais. Oh! Mais bon, vaut mieux la pluie mince et qu'il fasse moins froid que comment? Comme les jours derniers. Mais qu'est-ce qui faisait froid? Ça va mieux, hein. Alors, donc voilà, vous voyez, je colle. Nathalie, mais pas trop de colle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est dingue, hein, quand même. Ça, j'ai laissé. C'est une jolie couleur, puis bon pour les gorgeuses, je trouve que c'est la couleur. Hein. C'est vrai que c'est souvent du mauve, hein, je trouve. Hein. Voilà. Alors. Moi, j'ai n'importe quoi, ça, j'allais dire, n'importe quoi. J'ai ce petit outil-là. Donc, on va couper. Attendez, je vais me mettre comme ça. Parce que là, je vois rien du tout, là, ce que je fais. Voilà. Comme ça va, vous voyez? Mais je me rappelle plus. Je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit. Ça, c'est quand je coupe. Hein. Alors après, moi, je ne sais plus. Hein. Je ne sais plus. J'avais bon, bon, ça, j'avais regardé un tuto, hein, et j'avais fait en vidéo pour avoir le truc. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Je ne sais plus. Non, mais c'est ça. Hein. Quand je fais une vidéo, mais de comment dire, où il n'y a pas de coupure. Ben ça va, mais là quand il y a des coupures, après je sais plus. Est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Est-ce que je l'ai pas dit? Vous voyez ça? Toc et toc toc.
Voilà. Alors, ça, ce que... Ça peut peut-être servir, des petits trucs comme ça. Hein. C'est vrai, hein, je sais pas. Je pense. Alors, ici, donc, moi... Ouais, c'est vraiment... Bon, ça va aller, hein, de toute façon. Mais c'est vraiment... ouais, c'est pas tout à fait 2 cm. Mais ça va aller. Là. Voilà. Voilà. Moi, je fais comme ça. Toc, toc. Comme ça me repousse un peu le truc, un peu le carton, là. Voilà. Faire un petit peu un truc un peu plus arrondi, quoi. Voilà. Bon. Alors. Alors. Où je suis là? Où suis-je? Non, mais dans un sens, c'est vrai que... Ah ben là, j'ai bien raison d'en mettre beaucoup, hein, de la colle. Parce que regardez. Je dirais même que j'en ai pas mis assez, non? La bicyclette. Pourtant, j'ai pas dit un mot avec une bicyclette. Hein. Vous avez vu, mais. Voilà.
Ah bah tiens. Oh bah ça me fait pas un joli coin-coin. Hein. Oh là là. Pourtant je l'ai fait. Hein. Ouais. Ah non, ça va. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Je me retourne parce que je croyais que c'était Fabien. Je n'ai rien dit. Non, 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 non. Non, non, non. Voilà. Allez. Parce que je vais faire le même système que l'autre, que je vous ai montré, là, vous voyez. Mais comme il y a quand même, combien j'ai de... Bon, je vais pas faire un album avec 70... Ouais. Parce que la première fois, Fabien m'en a acheté 7 paquets. Dans un paquet, il y en a... Combien il y en a dans un paquet? Je sais plus. Enfin, je sais qu'il y en avait 35. Ben, il y en a 5. 7 paquets, ben ouais, 7, 5. Voilà. Bon, je pense que j'ai quand même mis assez de colle. Donc, voyez. Après, moi, je laisse. Hein. Vous voyez, je vais pas... Voilà. Ah, j'ai cru que mon coin-coin il était pas bien. Je lui tiens, oh là là. Voilà. Voyez, oh, toc toc. Comme ça. Voilà. Moi je fais ça comme ça, vous voyez ici là, 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 là et là. Je vais toujours doucement, vous voyez quand je, voilà, et je fais avec mon plioir. Là, voyez. Et après, je vais faire la même chose, comme ça. Je ris. J'allais dire, il y a des moments, j'ai un côté très sauvage, vous voyez. Puis il y a un moment, j'ai un côté très attention. Nous faisons très attention. Voilà. Voilà. Alors, impeccable. Voyez, regardez. Et voilà. Voilà. Et la couleur, j'adore. Ah, j'adore. Ouais, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Puis après, bon, de toute façon, on fera tout ensemble. Donc déjà, au moins, la structure est faite. Alors après, ce que je vais faire... Bon, ça, je le ferai après, hein, mais je veux dire, je vais couper la vidéo. Je vais remettre une petite bande ici. Là, j'attends quand même que ça sèche bien. Je vais remettre ici une bande de papier. Et puis après, ce qu'on va faire ensemble, c'est les... Comment, comme l'intérieur, quoi, tout simplement. Et puis après, le système de page. Hein. Donc, voilà. Bah, écoutez, moi, j'ai passé un super bon moment avec vous. Hein. Et puis, bah, j'espère que... Bon, voilà, hein, comme je vais vous dire à chaque fois, j'espère que ça vous a plu. Je fais mon petit rangement. Voilà, comme ça. Toc, toc. Et pouette-pouette. Voilà. Bon, allez. Donc, moi, je vous remercie pour tous vos messages. Oh.